Donc, bah, après avoir fait les prédictions de la France, on va faire les prédictions de l'Europe, voir un peu l'impact que ça va avoir les élections législatives au niveau de l'Europe. C'est vrai que ça peut avoir un impact assez important par rapport à Bruxelles. Parce que là, ils vont se retrouver, on va dire, avec quelqu'un qui est en phase 2 contre leur politique destructeur. Et ça, on peut le dire, hein, c'est vraiment destructeur, l'Union européenne. Sauf pour certains, bien entendu. Alors, Clémentine Yannis, le 20. Donc, 1, 2, 3, 19. Nous avons le chariot en vert. Jocelyne Hélène, le 10. La fertilité en droit. Camille Claudine JC le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21. La lune en vert. Patrick, Liliane, Catherine le 4. Le fou en vert. Katia Valou le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le soleil en vert. Éric Matou le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le monde en vert. Delphine Mystère Guerrière, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. La justice en droit. Gwen, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le magicien en droit. Et pour finir, Nini, le 19. Et nous avons en dernière carte la grande prêtresse en vert. Alors, c'est bien ce que je pensais, que ça va avoir des répercussions assez importantes au niveau de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai cette sensation quand je vois mon carte, c'est ce que j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu les premières cartes, que certains pays européens sous l'ordre de Bruxelles vont essayer de nous envoyer un maximum de migrants qu'ils ont chez eux en disant vous partez, vous allez en France, vous quittez pas l'Europe, vous allez en France. Ils vont essayer de nous plomber avec les migrants pour essayer de couper l'arbre du pied sous le pied de la future majorité, et ça va faire du vilain. Bon, à mon avis, on va avoir du boulot. En plus, ça sent quand même pas mal de manifestations dans différents pays d'Europe qui vont vouloir suivre l'exemple de la France, c'est-à-dire faire le nettoyage par le vide. Voilà. Donc il risque quand même, y a quand même du travail dans l'air au niveau de l'Europe, et à mon avis, ça va faire effet de boule de neige, où il va y avoir quand même pas mal de surprises dans différents pays. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, le fait que certains pays membres, comme par exemple l'Allemagne, veuillent nous renvoyer par wagon entier leurs migrants pour essayer de foutre un beau merdier en France. Voilà. C'est le seul truc qui m'inquiète. Voilà. Sinon, moi, je vois, il y a certains pays, à mon avis, qui vont essayer de suivre l'exemple de la France, et qui ça risque de faire boule de neige. Sur l'Europe, j'ai pas grand-chose à dire, parce que bon, bah, ça va être à long terme, hein, comme d'habitude, mais
on risque d'avoir ce problème-là avec la migration qui vont poser certains problèmes. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'Europe. Pour attendre après voir ce que ça va donner, attendre le deuxième tour. Et puis, bah nous, chez nous, on n'a pas besoin de faire de deuxième tour, comme je vous disais. Hein, il a été élu au premier tour. Et donc, faut peut-être avoir des mauvaises surprises avec Bruxelles et les ordres de Bruxelles qui risquent de vouloir bien nous saper le moral et nous saper ce qu'on veut faire. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'Europe. Je sais, c'est pas grand-chose par rapport à la France, mais c'est le principal. Sur ce, bonne semaine à tous et puis bah, rendez-vous demain soir 21h où on pourra parler de tout ça gentiment et calmement.